et avoir plus de confiance en nous. L'école de la deuxième chance a un public très large, y compris celui des détenus. J'interviens au Saint-Pétersé-les-Bleu-Arreau avec un effectif de 10 jeunes détenus, souvent des jeunes qui sont, disons, proches de la sortie. Donc je fais avec ce qu'on appelle des évaluations, un positionnement, ensuite une remise à niveau. Le but de l'école, c'est qu'ils puissent venir chez nous, ici à Jarry. Alors, pour l'instant, nous en avons deux qui ont quitté le Saint-Pétersé et qui sont inscrits chez nous et qui sont déjà en formation. En 2013, grâce à ce dispositif régional, plus de 500 jeunes sont passés par l'école de la deuxième chance et se sont ensuite donné la chance de passer un diplôme et d'accéder à un emploi. Autre lieu, autre cible. Nous sommes allés à Saint-François pousser la porte d'une entreprise d'agrotransformation.